bien le bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière fable, la fable numéro 5, les seigneurs des mers. N'hésitez pas à aller checker la description, j'ai mis des timers pour les livres. Alors pour ça il va falloir aller sur les mers et trouver le crâne de Davy Jones dans le ciel. Quand vous allez arriver, vous allez devoir affronter des vagues de navires fantômes. Il va falloir en tout en détruire 20. Oui, en détruire 20 pour faire l'achievement. Vous allez devoir sûrement recommencer. Une fois la vague terminée, il va falloir que vous détruisiez les sirènes géantes, à coups de boulet de canon. Il va falloir que vous en détruisiez 10 au total. Donc il va falloir sûrement que vous refassiez la fable une deuxième fois, voire une troisième fois, afin de réaliser tous les achievements. Une fois les sirènes détruites, il va y avoir le retour du Black Pearl. Continuez les vagues, détruisez les vaisseaux fantômes et les statues de sirènes géantes. Ramassez les caisses de stockage pour avoir des ressources jusqu'à l'arrivée de Pendragon et de sa flotte. Ils viendront vous aider pour détruire les statues de sirènes ainsi que les vaisseaux fantômes. Continuez jusqu'à avoir la notification de la flèche. Il faudra alors s'amarrer et partir à pied pour monter jusqu'au sommet. Et c'est ici que nous allons trouver les 5 premiers journaux. Donc avancez, avant de passer sur la droite, pour continuer votre chemin, regardez sur la gauche, entre les rochers, devant le fantôme, il y aura un premier livre. Vous continuez sur la droite, vous grimpez, continuez la route. Une fois entré dans la caverne, vous voyez le mât sur la gauche, vous aurez un autre journal. Vous avancez, vous escaladez, vous sautez, vous faites la petite escalade. Grimpez l'échelle. Une fois arrivé en haut, en ce qui ressemble à un bout d'épave, dans la plante, vous trouverez un autre journal. Vous descendez par l'épave, et tout de suite à gauche, quand vous êtes dos à l'épave, vous trouverez un autre journal entre les deux pierres. Ensuite, vous grimpez dans l'épave, et en haut, sur la gauche, à côté du fantôme, vous trouverez encore un journal. Finissez votre ascension jusqu'au sommet. Une fois en haut, vous allez avoir des vagues de fantômes à détruire, vous les tuez tous, et sur le dernier fantôme, vous trouverez la clé du coffre. Et vous ouvrez le coffre pour faire un autre achèvement. Vous pourrez ressauter directement à votre navire depuis cette corniche. Vous aurez un dialogue jusqu'à l'apparition du Hollandais volant. On va le combattre, mettez-lui tout ce que vous avez dans la bouche, jusqu'à temps que le Hollandais volant se fasse détruire. Une fois coulé, le temps s'éclaircit, la flèche rejoint les abysses, et vous n'avez plus qu'à attendre la résurrection du Black Pearl qui sortira de l'eau devant vous. Avancez vers celui-ci, montez à bord, et vous aurez la conversation finale entre Jack, son équipage, les personnages de Sea of Seas et le passeur. Ensuite, dirigez-vous vers la cabine du Pearl. Sur la table, vous trouverez le premier journal. Continuez vers l'avant du navire, posé sur une poutre, vous trouverez le deuxième journal. Vous descendez dans la cale. Vers l'avant, vous trouverez un autre journal au pied du mât. Juste à droite de la barre, il y en a un autre. Et le dernier, vous le trouverez juste derrière la barre. Et vous en aurez fini avec les journaux du Pearl. Voilà, c'est la fin de cette aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire si jamais vous avez quelque chose à dire, à venir nous dire un petit bonjour sur Twitch. Merci à tous et à bientôt, maudits pirates!